Let's open to Proverbs chapter 3. Ouvrons nos Bibles à Proverbes 3. And verse 13 beginning. Et commençons au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. And the man that getteth understanding. Et l'homme qui possède l'intelligence. But the merchandise of it is car better le than the gain qu'elle procure est préférable à celui de and l'argent. Thereof, than fine gold. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. She is more precious than rubies. Elle est plus précieuse que les perles. All the things that thou canst desire. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Length of days is in our right hand. And in our left hand, riches and honor. Dans sa droite est une longue vie, et dans our sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. And all our paths are peace. Et tous ses sentiers sont paisibles. She is a tree of life to them that lay hold upon her. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Verse 19. Et le verset 19. The Lord by wisdom has founded the earth. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Amen. No wonder we said, donc, pas surpris que nous disons que la terre et tout ce qui l'appartiennent, la terre et tout ce qui s'y trouve appartiennent à l'Éternel. Donc, toute la plénitude, toutes les choses de ce monde lui appartiennent parce qu'il les a toutes créées. Et par l'opération de la sagesse. Donc la sagesse est la clé maîtresse pour l'abondance. La sagesse est la clé pour l'abondance. And wisdom et la sagesse is sought before it is found. Happy is the man that findeth. Heureux l'homme qui la trouve. And only he that seeketh findeth. Et seulement celui qui cherche trouve. Happy is the man that findeth wisdom. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. And the man that getteth et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain de la sagesse est préférable que celui de l'or à celui de l'or, l'argent. Et il est plus précieux que les perles. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche, quoi? La richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, les richesses et la gloire sont des produits de la sagesse. Ils sont quoi? They are not results of connection. Ce ne sont pas des résultats d'une connexion quelconque. They are not products of location. Ce ne sont pas des produits de là où vous trouvez. There are terribly poor people in every nation of the earth. Il y a des pauvres dans toutes les nations du monde. Amazingly wealthy people. Et dans les mêmes nations, il y a des personnes énormément riches. Even in the villages, they have money lenders. Même dans les villages, il y a des gens qui prêtent. And have become lenders while others remain borrowers. Qui sont devenus simplement des gens qui donnent et pendant que d'autres restent toujours because des gens qui prêtent, all qui empruntent. Rich unto all that call upon him, wherever they are. Parce que le même Seigneur est le même à tous ceux qui l'appellent, peu importe où there il se trouve. No difference between the Jew and the Greek, between il n'y a the white aucune and the différence black. Entre le juif et le grec, entre le blanc et le noir. The same Lord over all is rich unto all. C'est le même Dieu qui répond à tout ce qu'il appelle et il n'y a aucune différence. Romains 10, verset 12. There is no difference between il n'y a aucune différence the Jews and the Greeks. Entre le juif et the le grec. Same Lord over all is le rich même all Seigneur. And in Acts chapter 10, verse 34, et dans Actes 10, verset 34, maintenant je sais que Dieu n'a d'égard pour personne. Acte 10, 34. Nation, mais dans toute nation, nation, y compris ma propre nation, every nation everyone that fears him, tous ceux qui le craignent et qui marchent justement sont acceptables nation, à lui. In every nation, lui sont agréables.
Donc vous devriez être heureux de cela. There are no third world, we only have third minds. Il n'y a pas de tiers monde, il y a des pensées tiers, de tierces pensées. Lorsque vous avez une pensée de première classe, vous êtes un citoyen de première classe. Je suis un prédicateur, j'habite au Nigeria, mais je suis parmi tous les plus grands prédicateurs dans le monde. Lorsque j'ouvre la bouche, ils savent qu'il y a un autre roi qui est là. Si c'est l'évangile de Jésus-Christ, je veux dire l'évangile de Jésus, je ne parle pas de d'autres évangiles, mais l'évangile de Jésus, partout où c'est prêché dans le monde aujourd'hui, je suis parmi les premiers par mes résultats. Heureux l'homme qui a trouvé, parce qu'il aura la longue vie d'un côté et les richesses et la gloire de l'autre. La longue vie sur d'un côté et les richesses et la gloire de l'autre. Jésus est Seigneur. My wife was very disturbed that she found the letter and she knows I will read it to the whole world. Ma femme était très dérangée. J'ai trouvé une lettre et elle a dit que je lirai cela à tout le monde entier. Don't bother, but don't look at her. Ne la regardez pas, ne vous inquiétez pas du fait qu'elle soit fâchée. I live a very happy life. J'ai une vie très heureuse, je n'ai aucun problème. 4th of October 1981. Le 4 octobre 1981. Combien de jours? It's a few days. Ça fait quelques jours. That's like 15 days back. C'est comme si ça faisait 15 jours. I said here, which I think is God just speaking to us. Et c'est comme Dieu qui nous parle. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Those who do know their God shall be strong and they shall do exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et ils feront des exploits. Quietness produces confidence. Je dis que le silence produit la confiance et la confiance produit la force. Et donc le prophète dit que dans le calme et la confiance seront votre force. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance, parce qu'il manque de silence. Et j'ai commencé à dire les choses que je faisais. J'écrivais cette lettre dans une chambre de vision où j'étais en présence du Seigneur. Et j'ai dit dans la première page que je suis là en train de rassembler des matériaux très, très importants pour cette vision. Et c'était déjà, j'étais là jusqu'au lundi, c'était le vendredi. Il était là pendant une semaine dans une chambre en ne faisant rien d'autre que chercher le Seigneur. Du lundi au vendredi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, 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 ça? C'était fantastique. C'était fantastique. Et j'ai dit à un niveau, j'ai dit, le chemin du juste est comme une loi et une lumière vivante, une lumière luisante qui luit de mieux en mieux. Donc c'est contre les Écritures de rester au même niveau, parce qu'il y a toujours un moyen d'aller de l'avant. Il y a toujours un moyen de faire plus. C'est pourquoi je reste ici pour chercher sa présence. Et c'est pourquoi je reste ici pour chercher sa présence. Et cela n'a pas commencé juste hier. Ce n'est pas une histoire abracadabrest pour avoir toutes ces choses. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui a acquis l'intelligence. Vous ne pouvez pas faire du bruit dans toute la ville en vous intéressant à toutes ces choses qui n'ont aucune importance. Vous érodez, vous dérangez votre mentalité avec des choses qui n'ont aucune importance. Vous trouvez du temps, car ceux qui l'ont trouvé, ils l'ont trouvé en le cherchant de tout leur cœur. Je lisais à l'un de mes fils. Je dis, ce jour-là, je crois que le seau au ciel était ouvert. Parce que j'étais dans un esprit terrible. Vous savez que dans cette lettre, le nom des vainqueurs est venu de cette lettre. Ce nom-là n'est apparu qu'en 1989. Mais juste prenez votre temps et cherchez le Seigneur pour un moment. Et vous verrez comment vous pouvez profiter de ces moments en présence de Dieu. Louez le Seigneur. J'ai dit que nous avons une force céleste emballée en nous pour l'appel dans lequel le Seigneur nous a appelés. Et là, je suis parti en disant quelque chose qui m'a aussi vraiment touché ce matin pendant que je le relisais. Je me tiens dans mon bureau en tant que prophète. Cela est simple. Mais je dis de mon bureau de prophète, de ma mission de prophète, que nous sommes importants à cette génération par l'élection de Dieu.
C'était en 1981. Vous avez, quand vous avez Dieu autour de vous, vous entendez des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que nous avons une congrégation bizarre aujourd'hui. Les gens vont partout comme des atomes. Tout ce que je vous dis, j'ai reçu du ciel. Quelque chose s'est passé. Et je partageais avec les membres, les travailleurs du bureau, là où j'ai pris mon alliance de ne jamais emprunter. Je lisais dans la parole de Dieu. Et j'ai compris que c'est le Seigneur qui nous bénit. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Mais tu n'emprunteras point. Donc au moment où je disais ceci, l'économie du Nigeria était encore merveilleuse. Le Naira était plus fort que le dollar à cette époque. Vous avez besoin de 3 dollars pour un Naira. C'était 3, 4 dollars pour avoir. Beaucoup d'entre vous ont vécu ce temps-là. Tu n'emprunteras point. Et j'ai pris quelques points très importants, des décisions importantes que j'avais prises. Et je lui faisais savoir ces choses. Juste vous faire comprendre que ces choses n'ont pas commencé hier. Ça n'a pas commencé hier. Et nous ne le disons pas parce qu'aujourd'hui, les choses se sont transformées, les choses ont éclaté dans notre commission. Mais Dieu sait que si vous suivez ses instructions, vous êtes sûr d'arriver à des endroits. Écoutez ceci et cela vous bénira. J'ai dit dans cette lettre, Jérusalem souffre, notre mère souffre, toute la création souffre et attend que ses enfants se manifestent. Les prisonniers attendent leur appel d'émancipation. Sion n'enverra pas seulement des prophètes, des apôtres, des enseignants, mais Sion enverra des sauveurs. Abidias 21. Mais qu'est-ce que Sion enverra des sauveurs? Il reste un petit moment et ces sauveurs vont remplir la terre. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez entendu le témoignage de cette femme qui a donné son témoignage. Son papa l'avait déjà dit qu'elle était mourante. J'ai dit non, Satan, tu es trop petit. Cela veut dire qu'elle n'est pas apôtre, elle n'est pas prophète, elle n'est pas évangéliste. Mais elle est un sauveur. J'ai dit, un peu de temps et vous verrez des sauveurs partout dans le monde. Ils disent à la mort, silence. Appelez-le par son nom et quelque chose se produit. Praise the Lord. Praise the Lord. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Et je vais lire ce niveau pour vous et je sais que ça va vous bénir plus. Mais vous n'emprunterez point. Et vous n'emprunterez point. Mais je dis, mais pourquoi tu le dis plusieurs fois? Il dit, parce que celui qui emprunte est le serviteur de celui qui prête. Et vous ne pouvez pas être serviteur de deux maîtres. Abraham est devenu très riche. Est-ce que vous avez entendu parler de là où il est parti emprunter? Nous avons envoyé le monde à l'église. Et nous avons confondu le programme de Dieu avec les choses du monde. Les gens sont en train d'emprunter n'importe comment parce qu'ils pensent que c'est les voies du Seigneur. Je n'ai jamais vu Jacob emprunter de l'argent. Isaac n'a jamais emprunté et ce sont mes pères d'alliance. Donc vous pouvez croire en Dieu pour vous élever de la façon de son alliance. Et j'ai dit dans cette lettre, j'ai dit, même si cela veut dire pleurer, nous ne lâcherons pas cette semence précieuse parce qu'à la fin nous retournerons avec joie. Et c'était en 81. Je dis, même si cela veut dire souffrir, je ne vais pas lâcher ces paroles que l'Éternel m'a délivrées. Parce que vous avez une vision fantastique et vous n'imaginez pas l'accomplir sans aide de quelqu'un. Je dis, même si cela veut dire porter une seule paire de chaussures pendant 10 ans, nous n'emprunterons jamais. Je l'ai dit, maintenant dites Amen. Amen.
I've told the editorial department to package some things called epistles to my wife. Je les ai dit à la maison éditoriale de sortir toutes les lettres que je lui ai envoyées et ils vont publier ces lettres-là. Parce que ce sont ces genres d'épîtres que j'écrivais à ma femme. All my converts that I ever wrote letters, I wrote them inspirational. Tous mes convertis à qui j'écris, je les envoie des lettres inspirées de Dieu. Et j'ai pris un volume de ces épîtres. Je dis, non, mais ça doit être publié. Donc, même si cela veut dire porter une seule paire de chaussures pendant des années, nous n'emprunterons jamais. Et j'ai dit quelque chose de plus dangereux encore. Je dis, même si il faut rester sans manger pendant des jours, ne mendierons pas le pain. Aussi longtemps que nous aurons faim et soif de la foi de l'Éternel, nous serons remplis. C'était le 4 octobre 1981. Je ne vous dis pas des choses pour vous faire croire, mais je vous dis des choses que ma main a accomplies. Et je l'ai dit plusieurs fois. Aussi bien pour ma vie que pour le ministère, je n'ai jamais emprunté. Et si je vous ai emprunté de l'argent un jour, dites-le. Now you see, these are all spiritual. Voici des formations spirituelles qui vous aident à donner une fondation solide à votre vie. What am I talking today? De quoi je parle aujourd'hui? Après 15 ans, l'histoire n'a pas changé. Donc, si ça a été cela est enregistré comme message aujourd'hui, est-ce que cela perd une valeur? Cela veut dire que ce n'est pas ma parole, mais c'est une connaissance que Dieu m'a donnée et il m'a donné cela, il a renforcé dans mon cœur pour que j'aie une vie particulière. Donc, il n'y a rien que nous ferons dans ce ministère jusqu'à Jésus revienne qui nécessitera de l'aide financière de qui que ce soit parce que j'ai déjà bâti la fondation depuis longtemps, longtemps. Peu importe l'affaire que vous faites, je vous ferai juste comprendre que emprunter est un acte contre l'alliance. Amen. Amen. By borrowing, you're only saying to God, lorsque vous empruntez, vous dites à Dieu que tu es trop lent. Amen. Amen. That may sound unpopular, but that's ça peut être impopulaire, mais j'ai vécu jusqu'à ce niveau. Et par la grâce de Dieu, on peut me dire très confortablement que je suis riche au Nigeria. Je suis confortable, il n'y a aucune dette contre quelqu'un que je dois à quelqu'un. Il n'y a rien que j'ai aujourd'hui que j'ai payé en deux fois, jusqu'à ce que le jour arrive. Jusqu'à ce que je paye complètement, je n'en ai pas besoin. La sagesse de Dieu vient dans un esprit calme. Et lorsque vous êtes choqué, vous êtes confondu par la dette, cette sagesse n'a pas accès à vous. Restez calme et vous verrez que je suis Dieu. Parce que je suis exalté sur la terre et je serai exalté dans les nations. Il y a 15 ans, Dieu a mis ceci dans mon cœur et je les ai dit à ma femme. Et 15 ans plus tard, je suis encore plus fort. Est-ce que vous pouvez imaginer comment nous l'aurons lu aujourd'hui si j'avais juste écrit ces choses sans les avoir appliquées? Donc voici ce que j'ai pour vous ce soir. Pour toute révélation, prenez une décision. Pour toute révélation, faites quoi? Prenez une décision à appliquer. Sinon, cela deviendra une frustration. Pour toute révélation, prenez une décision à mettre en œuvre. Au cas où vous êtes endetté maintenant, croyez en Dieu pour le paiement de cette dette et faites le vœu dans le sang pour ne jamais vous endetter encore. Parce que cela n'embellit pas votre vie, mais cela enlève votre dignité. Ne le faites pas. Le contentement de ce que vous avez donne un grand bénéfice. Mais si vous n'êtes pas content de ce que vous avez, vous allez dans des pertes énormes. Vous pouvez réussir par un procédé d'alliance. Vous êtes fidèle en une chose, je vous donne deux. Vous êtes fidèle en quatre, je vous donne huit. Tu es fidèle avec huit, je te donne 16. Tu es fidèle avec 16, je te donne 32. Ça, c'est le processus d'alliance. Mais le processus nigérian, c'est de 2 à 1000. Et lorsqu'il ne peut pas l'avoir, il va à la cocaïne. Et s'il faisait cocaïne, on l'arrête. Et lorsqu'on l'arrête, il perd sa vie. Et il laisse des enfants innocents et des femmes qui souffrent sur la terre. Oh yes, it may be slow. Ça peut être lent,
mais c'est sûr. Lorsque la main de Dieu est sur 10 000, vaut 10 000 dans les affaires, cela vaut 10 millions. Cela vaut 10 millions. Cela vaut 10 millions. Cela vaut 10 millions. Les amis, on m'a montré une maison à Ikeja à prêter pour 4 000 par an et je devais payer 2 ans. Je les ai dit, est-ce que c'est à vendre? Est-ce que cela fait partie du prix d'achat? Je n'ai pas de problème. Je ne roule pas sur des cafards comme des chevaux. That is a no motion ride. Donc c'est un, c'est vous montez sur un cafard, vous l'écrasez. And then you become the reproach of everyone around. Et vous devenez l'opprobre pour tous ceux qui sont autour de vous. La vie est pleine de jouissance. Allez, je passe des meilleurs moments dans ma vie. Si vous frappez à ma porte, je l'ouvre sans aucun problème. Je ne peux ne pas l'ouvrir parce que je ne vous dois rien. Et quelqu'un qui vous doit viendra dire, mais pourquoi il dort? Moi, il me doit de l'argent, il doit se lever. Moi, quand je dors sans aucun problème, parce que je prends du ciel ce que je dois faire en suivant. Il a dit de déverser mon cœur au peuple, c'est pourquoi j'ai sorti cette lettre. Et les gens vont trouver le repos. La dette n'est pas bonne. Dites à votre voisin, la dette n'est pas bonne. C'est un piège. It places you above your size. Cela vous met au-dessus de votre niveau. It is dangerous. C'est très dangereux. Leave it alone. Laissez les dettes. Hallelujah. How can you borrow money to buy a fridge? Comment pouvez-vous emprunter de l'argent pour payer un frigo? Cela va réfrigérer votre cœur. Il y a une façon naturelle de rafraîchir de l'eau. Prenez un vase, mettez du sable et mettez de l'eau dessus et ça va rafraîchir naturellement. J'ai grandi sous cette méthode avec ma grand-mère. Et cela m'a rendu en bonne santé. Et si je ne suis pas en bonne santé aujourd'hui? Pourquoi vous allez rafraîchir, glacer vos poumons? Écoutez, je veux que vous soyez relax dans la vie parce que la vie est pleine de bonheur. Ne détruisez pas votre destinée. Si vous empruntez de l'argent pour payer une radio, comment vous allez entendre les informations dans cette radio? Maintenant, si vous êtes dans les affaires et quelqu'un vous donne de l'argent pour faire des affaires et vous êtes d'accord que lorsque vous finissez cette affaire, donc ce n'est pas emprunter de l'argent, c'est des affaires. Parce que si l'affaire coule, vous coulez ensemble, il n'y a pas de discussion. Si l'affaire marche, vous marchez ensemble. Donc ce n'est pas pareil. Maintenant, je vais dire quelque chose qui va choquer certaines personnes. Si vous donnez votre argent à une maison de finances, vous les avez donné pour que c'est du profit. Maintenant, si l'argent se perd, vous perdez ensemble. C'est la vérité. C'est les affaires. Est-ce que vous les avez dit que vous leur donnez l'argent pour qu'ils vous rendent comme vous les avez donné? Non. Ils l'ont pris avant même de commencer. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je sais que je suis. Vous ne pouvez rien me faire parce que mon système de sécurité est intact. Vous ne pouvez rien me faire. Hallelujah. But you know something? Mais vous savez, les hommes les plus riches de ce pays émergeront de cette assemblée. Ceux qui sont d'accord avec le contentement de ce qu'ils ont pour l'avancement par l'alliance. Les gens qui vont acheter des tapis alors qu'ils doivent utiliser juste des nattes. Il y a des gens qui ont des tapis dans leur maison. Ils ne devraient même pas avoir des tapis. Ils n'ont même pas atteint ce niveau. Soyez relax. Ils ne devraient même pas demander le prix d'un tapis, d'une moquette. Lorsque notre ministère a commencé, je ne connaissais même pas le prix d'un climatiseur. Quiconque me suggérait cela,
par erreur, ce serait la fin de son travail ce jour-là. Parce que c'était une proposition stupide en ce moment. Donc, la maison est bien construite. Donc, la climatisation naturelle va marcher. Le vent entre de la première chambre à la deuxième chambre et nous sommes tranquilles. Vous pouvez avoir une vie tranquille et féconde. Si vous laissez des dettes à vos enfants, c'est une malédiction. Dites, je ne le ferai pas. Si vous avez un frigo que vous n'avez pas payé, allez le vendre et payez la personne sa dette et dites que vous êtes désolé parce que vous êtes allé hors de l'alliance. Dites aux personnes que vous êtes désolé, à la personne que vous êtes désolé. Vous dites, ça c'est mon ventilateur alors que vous n'avez pas payé. Le propriétaire du ventilateur est au marché. Le jour où il vient pour avoir utilisé son ventilateur, il va vous donner un coup de sur la tête avant de reprendre son ventilateur. J'ai dit en 81, si cela veut dire ne rien manger pendant des jours, nous ne mendierons rien, pas seulement emprunter, mais nous ne mendierons pas. Ah, mon ami, tu as quelque chose pour moi? Nous ne mendierons pas. Vous ne souffrirez pas. Lorsque j'ai lu dans ma propre Bible, je sais que ça se trouve dans votre Bible aussi, que si un homme ne pouvait pas pour sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je me suis dit, au lieu de manger le salaire de ma femme, je préfère mourir et aller au ciel directement. Je préfère mourir et aller au ciel. Le ciel serait prêt pour moi. Je ne veux pas être pire qu'un infidèle pendant que je suis sur la terre. Va raisonner. Vous discutez avec votre femme. Combien tu as là-bas? Donne-moi maintenant là. Un jour, ma femme a pris son salaire. Elle est venue me dire, elle dit, le Seigneur m'a dit de donner en offrande tout ce que tu envoies, qu'on donne en offrande comme ça, ça ne fera pas partie de ce qu'on mange. Combien de personnes passent de bons moments ce soir? Don't miss tomorrow night. Ne ratez pas demain soir. Would you miss tomorrow night for Est-ce que vous manquerez demain soir pour aucune raison? You know, we have finished panel beating. We are now doing spraying. So everybody is relaxed, but every dented area we are putting extra paint to be sure it's free. And then we use fire to smear it, and everybody will be okay. Now listen to what I'm talking about. Maintenant, écoutez ce que je veux dire. Toute révélation reçue du ciel, vous devez immédiatement prendre des décisions pour les mettre en œuvre. Dites simplement que je n'emprunterai plus jamais et cela prendra fin. Si Dieu a pu arrêter la consommation de cocaïne dans la vie de quelqu'un en entrant dans cet endroit, il peut aussi enlever tout ce qui vous fait perdre la dignité dans votre vie. Donc, juste prenez la décision. Cette décision a contrôlé ma vie pendant toute ma vie. La chambre dans laquelle je reste, c'est une chambre que je peux payer, pas une chambre pour laquelle j'ai besoin de prier pour payer. Les vêtements que je porte sont des vêtements que je suis capable de payer, pas un vêtement que quelqu'un d'autre paye. Un jour, le responsable des huissiers est allé payer une chaussure pour moi. Je lui ai demandé d'aller m'acheter une chaussure. Donc, il m'a ramené des chaussures pour que je choisisse. Et il m'a donné le prix d'une chaussure. J'ai dit, mais est-ce que la chaussure-là a un moteur? Pour que dès que je mets mes pieds dedans, il m'envoie immédiatement où je dois partir. Alléluia. Il m'a dit non, mais c'est très joli. J'ai dit si tu parles encore de cette sorte. Je sais que c'est joli, mais ce que je veux payer aussi est joli. Mais ce que vous dites, sauf si ça a un moteur, à condition qu'il ait un moteur et des pneus, comme ça, si je veux marcher, je ne fais que monter et la chaussure m'envoie. Louez le Seigneur. Maintenant, malheureusement, on pense que ces choses-là sont au-delà de votre statut. Non, ils sont en bas de votre statut. Il y a des chaussures que d'autres personnes ne doivent même pas porter. Maintenant, si votre chaussure coûte 4 fois le prix de vos habits, la chaussure est 20 000 et la chemise plus le cap, le chapeau, tout est 3 000. Donc, vous portez une chaussure. Amen.
La chaussure n'est pas sur votre pied, mais dans votre pied, dans vos pieds, mais c'est sur votre corps. Le bureau, là où le ministère a commencé, coûtait 100 naira par mois. Est-ce que quelqu'un qui dit que Dieu l'a appelé... maintenant, si Dieu vous appelle, vous achetez, vous allez dans un endroit qui coûte 2500. Le moment où on vous donne le prix, vous devez dire non, ce n'est pas cet endroit que je cherche. Pas que vous commencez à menacer la personne sur sa propre propriété. Et si vous le menacez d'une façon, il va vous menacer. Quelqu'un passait à un endroit et il m'a dit dans son témoignage, je l'ai prévenu parce que Dieu l'a délivré cette nuit. Il dit que Dieu lui a dit qu'il va voir son ministère à Victoria Island. Et il passait devant une maison et il a dit, Dieu lui a dit que c'est sa propriété. Et il est parti dans cet endroit pour prier la nuit. Mais Dieu merci que le propriétaire n'est pas sorti le voir. Après sa prière, il est venu me chercher le matin pour me dire là où il est parti, comment il est allé prier la nuit. Je lui ai dit, tu es allé là-bas la nuit? Il dit, les gardes là-bas ne t'ont pas vu? Et il dit que le Seigneur lui a dit de venir me voir. Et il dit, oui, c'est sûr que le Seigneur t'a dit de venir me voir parce que ta tête n'est pas correcte. Ta tête, ça ne va pas bien dans la tête. Parce qu'il sait que personne d'autre ne te dira cette vérité. C'est pour ça qu'il t'a dit de venir me voir. Si je te vois encore là-bas, je lui ai demandé, mais combien tu as? Et sa bouche allait de haut en bas. J'espère que j'avais vu ma fille là-bas pour lui mettre de l'onction sur sa bouche. Il est allé prier sur la propriété d'une autre personne la nuit. Il est allé faire une veillée. Come and say with me, God doesn't speak stupid things. Dites que Dieu ne parle pas de folie. Il ne dit pas de folie. C'est le seul Dieu sage. Il ne peut pas descendre à ce niveau-là. Il est allé à Victoria Island pour chercher le siège de son ministère. Oh God of heaven, have mercy. Ah, Dieu du ciel, aie pitié. He has not arrived here up till now. Il n'est même pas arrivé encore. Et cela, ça fait 4-5 ans. Because he doesn't know his size. Parce qu'il ne connaît pas son niveau. He needs to go the extreme after some go. Il doit aller à l'extrême. Amen. Amen. Oba mi magba shoya lara mi ashoya mele fa shoya dora mo. I want to believe God for divine. Je veux que vous croyiez en Dieu pour la sagesse divine. Your pathway to plenty. En suivant, pour suivre les pas vers l'abondance. Si vous laissez Dieu rester Dieu, vous ne manquerez pas de la bonté de Dieu sur terre. Si vous que ses paroles soient oui pour vous, votre vie aura un nouveau sens. Et vous serez béni au-delà de tout le peuple. Vous donnerez à beaucoup de nations. Vous prêterez à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Qui n'a jamais emprunté et il est toujours bouillant? Je dis, je suis là. Je suis là. Et vous pouvez être libre aujourd'hui. Maintenant, je vais poser cette question. Êtes-vous sûr qu'il y a un emprunteur qui est content d'emprunter? Beaucoup de personnes vont vous dire, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi on parle de sagesse. Mais que faire? La sagesse de Dieu vous montrera le chemin à suivre. Mais là, que faire? La sagesse de Dieu. Écoutez-moi, nous étions pendant 6 ans dans les fiançailles. Le monde entier peut se marier, pas de problème. Lorsque c'est mon tour, j'aurai mon temps et je l'aurai dans la plus grande dignité selon ma compréhension de Dieu. Est-ce que tes parents ne peuvent pas le faire? Ils peuvent le faire, mais je n'aurai pas dit dans mon histoire que les gens ont fait pour moi. 6 ans de fiançailles. Et là, nous avons un mariage pour la vie. Je préfère cela. Pour qu'une âme non préparée se mette à construire une pyramide. Je vois un nouveau jour.
Aujourd'hui, il y a des frigos dans ma maison, je n'en avais pas avant. Aujourd'hui, il y a un congélateur, je ne l'avais pas avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans la maison, je ne l'avais pas avant. Il y a des rideaux. J'ai dit au travailleur au bureau, si vous avez acheté des lits à crédit, allez-y les rendre et dormez par terre et vous verrez des visions de Dieu. Parce que lorsque Jacob a déposé sa tête, a mis sa tête sur les pierres, le ciel s'est ouvert. Vous avez besoin juste que votre ciel s'ouvre, pas d'autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais que faire? La sagesse. Faites la sagesse et il vous montrera le chemin à suivre. Faites quoi? La sagesse. Et cela vous montrera le chemin à suivre. Faites la sagesse. Et cela vous montrera le chemin à suivre. Toutes choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, mais tout est permis, mais je ne serai envoyé sous le pouvoir d'aucune chose. Tout est permis. C'est la sagesse. Tout n'est pas utile. Tout est possible. Vous pouvez avoir une télévision si vous pouvez l'aborder, si cela est possible pour vous. À partir du moment où vous commencez à raconter des mensonges, que vous dites que non, c'est pour regarder des programmes chrétiens. Maintenant, depuis que vous l'avez acheté cet écran-là, combien de programmes chrétiens vous avez regardé? Vous savez, j'ai besoin de vidéos parce que notre église produit des vidéos, on vend des vidéos. Donc, maintenant, il a acheté l'écran à crédit. Maintenant, comment acheter les cassettes? Maintenant, comment acheter les cassettes? Est-ce que les cassettes sont gratuites? Donc, la dette continue à s'étendre au nom des vidéos. Louez le Seigneur. Thank God for Jesus. Dieu merci pour Jésus. Be ye not servants of men. Ne soyez pas des serviteurs des hommes. Il vous a appelé homme libre. Donc, libérez votre vie du harcèlement. Si la maison dans laquelle vous vivez génère des tensions, sortez pour aller dans une maison qui est à votre niveau et où vous pouvez payer. Cessez de lier le propriétaire. Sortez. Louez le Seigneur. Sortez. Je n'ai aucun problème dans ma vie. Je vis ma vie aussi simplement que possible. Quelqu'un m'a pris une maison, cela ne m'a rien fait. Une maison que j'ai achetée, ils me l'ont pris. Pas une maison que je louais. Ils l'ont pris. Prenez la maison et laissez-moi avoir ma paix. Louez le Seigneur. Mais des années plus tard, ils sont en train de me prêter. Ils viennent prendre de l'argent chez moi. La vie est intéressante. Je veux vous montrer des choses que Dieu m'a montrées. Vous savez, j'ai dit dans cette lettre que je me tiens dans ma mission en tant que prophète. Et le Seigneur m'a dit que nous sommes importants à cette génération par l'élection divine. Le 4 octobre 1981. Et des sauveurs arrivent et très bientôt ils rempliront la terre. Et ils sont là maintenant. Donc peu importe votre condition aujourd'hui, l'histoire se raconte ce que je suis en train de dire aujourd'hui dans un avenir proche. Jésus vous libère de toutes les dettes et maintenant vous fait quelqu'un qui prête aux nations. Et cela sera votre témoignage. Comment avoir cette sagesse? Celui qui cherche trouve. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Peut-être que quelqu'un est énervé de là où il se trouve. Quelque chose vient vous libérer. Maintenant, comment vous allez vous libérer si vous êtes énervé pendant que ceux qui vous libèrent arrivent? Je dis que personne n'est content de la dette. Pas que vous connaissez le directeur de la banque. Le jour où il vient récupérer son argent, la façon dont il va vous parler, personne ne saura que vous êtes son ami. Fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te cherche tous ces jours-là. Look, take your time, please. Policeman, push him out. Policier, prenez-le, s'il vous plaît. Ça veut dire que votre amitié prend fin. No borrower is worthy of respect. Aucun emprunteur n'est digne de respect. Le prêteur vous voit comme son esclave. S'il vous plaît, n'oublie pas que j'attends l'argent. Donc, au plus tard, le lundi. Et aujourd'hui, c'est jeudi. Il ne sort pas demain. Et la personne met sa main dans la poche. Bon, je t'attends à 10 heures. Et le prêteur dit, il n'y a pas de problème. Parce que s'il réagit, il aura l'insulte qu'il n'attendait pas. Pas de problème.
Par la grâce de Dieu, je serai mon mieux. Il ne sait même pas ce que, quoi essayer. Mais parce qu'il doit dire quelque chose, je ferai de mon mieux. Louez le Seigneur. S'il vous plaît, jouissez de la vie de la façon dont je le fais. Je suis resté avec un seul pantalon et c'était suffisant. Je suis resté avec deux pantalons, c'était suffisant. Et je passe le meilleur moment. Mon image, l'image publique peut être une destruction personnelle. Je n'en ai pas besoin. Cette veste peut durer 4 ans par la grâce de Dieu. Seulement, la veste ne se gâte pas. Vous pouvez seulement vous fatiguer. Je n'ai vu personne utiliser une veste jusqu'à ce que la veste finisse. Avant que l'intérieur ne se gâte complètement, Dieu va vous donner une autre veste. Put the one you have inside. Please let that man leave. Que cet homme vive. Let that woman leave. Laissez cette femme vivre. No hassle. Pas de problème. I like to have salad. J'aime avoir des salades. Salad the money down. You get salad in your mouth. It's very simple. Si vous avez l'argent, vous achetez de la salade sans problème. You are going to have a great time. There is no vous aurez de bons moments et aucun diable ne pourra l'arrêter. Maintenant, Dieu, par la sagesse, a fondé la terre. Et par la compréhension, il a établi le ciel. Maintenant, la terre appartient à Dieu. Et la terre est tout ce qui comprenne. La sagesse divine est la voie vers une abondance sans fin. Des rivières qu'on ne peut pas traverser. Vous pouvez imaginer des gens comme Kenneth Hagin qui parlent d'une histoire de vivre sans dette pendant toutes ces années, partout dans le monde entier. Ils vivent une vie sans dette. Lester Sumrall, depuis jusqu'au jour où il meurt, aucune dette. Ils ont eu 4 stations télé sans aucune dette, sans aucune dette. Et quelqu'un qui doit commencer une église prête de l'argent pour payer des tambours. Qui va frapper ces tambours? Au moment où le propriétaire vient récupérer son tambour, tout le monde comprendra que vous êtes un faux pasteur. Tout le monde comprendra que vous êtes un faux pasteur. Toutes les choses que vous voyez dans cette église sont achetées, cash, pas qu'on achète, qu'on va payer demain. Je dis aux gens, attendez demain, lorsque l'argent est complet, on va acheter. Donc on va danser avec nos pieds et chanter avec nos bouches. Vous voulez entendre des histoires? Le premier système d'amplification, notre premier ampli, c'était en 86. Pas que c'était dans un point de prière. Si vous venez me voir, je vous dirais, mais ce qu'on a maintenant là, qu'est-ce qu'il y a un problème avec cela? On n'entend même pas bien encore. Donc, soyez, restez tranquille. Je n'ai jamais dit au Seigneur, Père, nous entrons dans le ministère, nous avons besoin d'équipement. Quoi, quel équipement? Je suis l'équipement. Si vous pouvez m'entendre, c'est l'essentiel. Si je m'entends moi-même, vous n'avez même pas un membre et vous cherchez un système des amplis pour 2000 personnes. C'est trop pour eux. Somebody is catching something. Quelqu'un reçoit quelque chose. Instead of remaining in debt, au lieu de rester dans des dettes, si cette dette-là peut être payée par votre télé, allez vendre votre télé pour payer la dette. Very cool, God-given, si si vous voulez, vendez votre frigo et allez acheter le système dont je vous ai parlé. Cela vous donnera de l'eau, de la bonne eau. Pas une eau qui va glacer votre âme, vos poumons et vos cœurs. Est-ce que quelqu'un est content? Élevez la main, Seigneur, conduis-moi dans ta sagesse. Dirige mes pas dans le règne de l'abondance. Seigneur, aide-moi à prendre de bonnes décisions. Alors que je te suis, l'abondance est ma portion. Et j'attendrai patiemment pour tes relâchements. Seigneur Dieu du ciel, instruis mon cœur pour marcher dans ta lumière. Délivre-moi de la tentation de la dette. Conduis-moi sur un chemin calme
près des eaux paisibles, là où ta voix est claire et ta direction est ouverte. Seigneur Dieu du ciel, aide-moi à marcher avec toi en toute intégrité du cœur. Garde ma conscience. Donne une sensibilité divine pour voir les choses qui vont détruire ma destinée. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de vivre une vie de contentement. Délivre-moi de l'anxiété des possessions pour que je ne perde pas ma position. Seigneur Jésus, je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Je dois trouver ta volonté avant de prendre tout pas. Aide-moi, Seigneur. Amen. 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 Parce que Jésus n'a jamais emprunté tout ce qui vous donne l'envie d'avoir des choses qui ne vous appartiennent pas quitteront votre vie. Ce peu dans vos mains deviendra beaucoup dans votre vie. Cette petite maison dans laquelle vous vivez, personne ne saura que vous avez vécu dans cet endroit dans très peu de temps. Aujourd'hui, vous louez. Demain, vous donnerez des maisons. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas voir ce que vous vendez. Mais demain, vous deviendrez le vendeur. Si vous suivez, vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit, pour observer, pour faire tout ce qu'il vous commande aujourd'hui, lui, l'Éternel Dieu, vous mettra au-dessus de toutes les nations de la terre. Si vous écoutez la voix pour vous contenter de ce qu'il a mis dans vos mains, vous vivrez pour voir cela devenir beaucoup. Recevez cette grâce aujourd'hui. Et allez-y avec une joie. Devenez un exemple vivant de l'évangile de Jésus. Que la paix dans votre maison ne soit jamais érodée. Que la paix dans votre âme continue de s'agrandir. Et vous n'aurez jamais de sécheresse dans votre vie. Et la grâce de l'Éternel sera plus que suffisante pour vous. Tout ce qui crée la dette, l'envie de la dette dans votre vie, je maudis ce soir. La paix sur votre chemin. Au nom précieux de Jésus. Donc, on se pose des questions tout le temps. Je veux, mais est-ce profitable pour moi? Est-ce que cela me rajoute quelque chose ou m'enlève de la valeur? Quelle valeur ça rajoute à ma marche d'alliance avec Dieu? Comment cela aide ma destinée dans la vie? Si la réponse est négative, cela ne vous appartient pas. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Pour emprunter et porter des chaussures, c'est une honte pour l'intégrité. Vous n'avez pas besoin. Ce que vous portez, il y a des coordonnées dans la vie. Il peut vous réparer, mettre un nouveau fond. Et là, vous l'avez, vous marchez. Je les ai eus comme amis avant. Ils m'aidaient à réparer mes chaussures. Et j'avais de très bons moments. Tout ce que je mettais, les gens aimaient. Même si je l'achetais à petit prix. Oh là là, il est joli. C'est très beau ça, frère David. La même veste. Avec une chemise différente. Je connais toutes les couleurs. Elles étaient très régulières. Lorsque j'apparais, vous savez que c'est moi qui viens. Oh yes, but it's for a while. Mais c'est pour un moment. I said for a while. Je dis, mais c'est pour un moment. I said for a while. C'est pour un moment. I said for a while. C'est pour un moment. It's for a while. C'est pour un moment. It's for a while. C'était pour un moment. C'était pour un moment. When I got married, I drove Lorsque je me suis marié, I don't have problem. I drove by myself to the je conduisais ma B2 le même jour. Il n'y a aucune chose. Il y a pas d'inquiétude. My suit was not around. I took the suit I was wearing. My own suit. I told a friend of mine, "Is your suit there? Bring anyone." There's nowhere they wrote in the Bible that it must be the same color. Did they write it anywhere?
Carry your suit, let's go. Envoyez la. J'ai pris n'importe quelle veste, je l'ai portée. Hey, est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'il faut changer de veste le jour de son mariage? You might be eating on the floor today. Vous pouvez manger par terre aujourd'hui. We feed sitting on the table with you tomorrow. Et très bientôt, des multitudes s'asseoiront sous des tables pour manger avec vous. Au moment où Dieu sait que vous n'avez aucune autre alternative, il répondra. Qu'est-ce que je t'ai dit en 88 à Kano? Dis-leur. Papa m'a dit de mettre Dieu dans un coin où il ne peut pas s'échapper. Mettez Dieu dans un endroit où il ne peut pas s'échapper. Dieu sait que je ne vais pas emprunter. Et vu que, et au lieu que je ne meure, il me donnera de la nourriture. Mais il y a d'autres personnes, il sait que dès qu'ils ont faim, ils vont aller voir leur oncle. Mais Dieu sait que il sera celui qui m'a tué s'il ne me donne pas à manger. S'il n'y a pas de nourriture, je n'irai pas demander de la nourriture. Je l'ai mis dans un coin. Il va dire, ange, répondez-lui, si ce garçon meurt, vous aurez tous des problèmes. On va vous chasser du ciel. Il sait. Dieu sait ce que vous allez faire. Il sait le serment que vous avez fait. Il sait que vous êtes prêt à le faire. Et lorsqu'il le sait, il répond en conséquence. Ce garçon-là n'attendra pas. Il ne va chercher aucune autre alternative. Et vaut mieux que je réponde et que je réponde à ses prières. À partir d'aujourd'hui, Dieu répondra à vos prières. Dieu vous répondra à partir d'aujourd'hui. Dieu sait que je ne vais jamais chercher un homme dans le gouvernement ou même hors du gouvernement pour quoi que ce soit. Donc, il se tient lui-même pour donner les choses dont j'ai besoin pour son œuvre. Il sait, il est persuadé que pour ce garçon, si je fais de l'un de ses huissiers un président, il ne demandera rien de lui. Donc, je prends mon temps pour lui rendre la dignité qu'il a droit. Dieu le sait. J'ai dit, si l'un des gens ici est président, il va toujours chercher sa place. Cette église, la seule personne qu'on appelle excellence ici, c'est Jéhovah. Et après lui, dans ce rôle, dans ce ministère, c'est moi. J'espère que vous le savez. Donc, ce n'est pas que quelque chose s'est passé quelque part, non. Nous étions à une réunion et j'ai dit, il dit, ils sont malades. Si je me tiens debout, tout le monde se lève. Lorsque vous mettez Dieu à sa place, il est content de se tenir avec vous. Est-ce que vous comprenez? Il est content de se tenir près de vous. J'ai dormi une nuit et il n'y avait pas d'argent pour mettre de carburant dans le véhicule. Je lui ai dit directement. De la même façon que tu feras si personne n'était là, à qui je peux demander, fais-le maintenant. Et j'avais un ami d'enfance. J'ai un ami d'enfance qui était dans le conseil de l'église. Si tu penses, j'ai dit au Seigneur, que si tu penses, parce que je suis dans le même lit avec mon ami, que je dois lui demander s'il a l'argent pour qu'on mette du carburant dans notre véhicule, donc c'est un temps perdu. Bonne nuit. Quelqu'un a frappé à la porte. Il dit, Dieu a mis dans mon cœur de donner cette offrande pour le voyage que vous faites demain. Et après cette offrande-là, j'ai dit à mon ami, j'avais que 50 centimes dans ma poche et on avait 400 km à faire. Mais je savais que je n'emprunterai pas. Et Dieu aussi savait. Dieu savait que cet homme ne mendiera pas. Il n'empruntera pas. Vaut mieux que je lui donne. Sinon, le ciel tout entier va m'accuser d'injustice. Je l'ai placé dans un coin pour ma provision et il ne peut pas échouer. Donc, l'accord est sûr, scellé. L'accord est scellé. Élevez vos deux mains. Seigneur, enseigne-moi la façon de te mettre dans un coin pour ma santé, pour mes finances, pour ma famille, pour mes enfants. Que tes actes soient mon expérience quotidienne. Maintenant, priez, parlez-lui. Parlez-lui de tout votre cœur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié.
Seigneur, que ta sagesse réponde à nos affaires individuelles. Que cette communion enlève le voile entre nous et le Saint des Saints. Donne-nous un accès absolu aux choses derrière le voile. Honore ta parole, Seigneur. Reçois toute la gloire. I will trust you absolutely, Lord. Je te croirai absolument, Seigneur, pour tous mes besoins aussi longtemps que je vivrai. Je croirai absolument en toi, Seigneur, pour tous mes besoins aussi longtemps que je vivrai. Je l'ai dit dans cette lettre, la foi absolue signifie la victoire absolue. Soit vous lui donnez ou vous ne prenez rien, Dieu est tellement bon à suivre. À partir de maintenant, il sera votre pourvoyeur absolu. Sa sagesse tracera le chemin vers votre abondance. Et vous vous contenterez à chaque phase de votre vie jusqu'à ce que vous arriviez à son ultime niveau. Vous ne mendierez ni n'emprunterez jamais. Tout ce que vous ne pouvez pas trouver en Christ ne se trouvera pas avec vous. Il a dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas donné. Cela veut dire que vous devez avoir un excès. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné de la nourriture. Cela veut dire que vous devez avoir un surplus. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne devez pas mendier et vous ne devez pas emprunter à partir d'aujourd'hui. Le Dieu en qui vous croyez prouvera sa force dans votre vie. Une vie de joie et une vie de triomphe. Que cela se produise, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Si il y a une maladie ou une infirmité dans une vie qui rend la vie inconfortable, Seigneur Jésus, mets fin à cela par cette communion maintenant. Merci, Père. Reçois toute la gloire. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Whoever it doeth, it shall prosper. Aucune âme forgée contre vous ne réussira. From today, à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous ferez prospérera. No matter how many other men fail in doing it, peu importe ce que les autres, comment les gens échouent, mais parce que vous appartenez à l'Alliance, tout ce que vous faites prospérera. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Please lift up your two hands and élevez les deux mains et remerciez-le, il est Seigneur.